En 2018, Meghan Markle avait été vivement critiquée pour sa tenue à la parade de Trooping the Colour. Cette année, la jeune maman a tenu compte des remontrances. Elle n'a pas fait la même erreur deux fois. Un mois après son mariage avec le prince Harry, Meghan Markle avait fait l'objet de nombreuses critiques. En cause, la tenue qu'elle avait choisi de porter pour la parade Trooping the Colour, en 2018. À l'époque, certains avaient jugé sa robe rose poudrée signée Carolina Herrera en rupture totale avec le protocole voire hors des limites vestimentaires pour cette cérémonie durant laquelle il est de coutume de s'habiller de façon plus sobre et de ne pas montrer ses épaules. Pour le 93e anniversaire d'Elisabeth II, le 8 juin 2019, Meghan Markle semble avoir entendu les critiques. Pour sa première sortie officielle depuis la naissance de baby Archie, la jeune maman a radicalement changé de look. Cette fois-ci, elle a opté pour une tenue sobre, une robe bleu marine à col haut et manches courtes contrastantes blanches, associée à une cape assortie signée de sa créatrice de robe de mariée, Clare White Keller pour Givenchy. Elle a révélé le twist des épaules lorsqu'elle a enlevé la cape avant de monter sur le balcon du palais de Buckingham. À la parade Trooping the Colour, Meghan Markle a fait sa première apparition publique depuis la présentation officielle du Royal Baby Archie, trois jours après sa naissance. Actuellement en congé maternité, la duchesse de Sussex a tenu à faire une petite pause afin d'être présente pour célébrer le 93e anniversaire de Sa Majesté. L'épouse du prince Harry a décidé de prendre seulement 3 mois de congé maternité avant de retourner au travail dès que possible. Mais pas question pour elle de manquer l'un des événements les plus attendus de la famille royale britannique. On your